Bonjour et bienvenue au balado aux couleurs de la Matawinie culturellement nous. Ici Jo Bocan, votre hôte pour les prochaines minutes. Je vous invite à nous rejoindre pour un voyage captivant à travers l'histoire, les arts, les traditions et les trésors cachés de la MRC Matawinie. Au fil des épisodes, nous partirons à la découverte des artistes locaux passionnés, des gardiens du patrimoine ancestral et de tous ceux et celles qui contribuent à faire de la MRC Matawinie un véritable joyau culturel. Tout ça à travers la voix des maires et des mairesses des différentes municipalités qui la composent. Bon, attachez vos écouteurs et préparez-vous à plonger dans une aventure sonore qui vous fera ressentir la passion et la fierté que les habitants et habitantes de la MRC Matawinie éprouvent pour leur culture. Alors, commençons ce voyage ensemble. Dans cet épisode, aux portes de la Matawinie, vous allez découvrir la magnifique municipalité de Radun où la diversité est à l'honneur. Fondée en 1799, elle possède l'un des plus riches patrimoines de la Matawinie. Radun a accueilli, après la Seconde Guerre mondiale, un grand nombre de familles issues de communautés immigrantes, ce qui la dote d'une culture diversifiée. Dans cette entrevue avec M. Raymond Rougeau, maire actuel, vous allez découvrir comment ce territoire arrive à marier patrimoine bâti, culture, sport, tourisme, nature et bien sûr, richesse des communautés culturelles. Eh bien, pour moi, la culture, ça a une grande signification du fait que je viens de la famille Rougeau. Je fais partie de la famille Rougeau et dans ma carrière de lutteur, j'ai voyagé un peu à travers le monde. Alors, des différentes cultures, j'en ai vu. J'ai passé 2 mois au Japon, j'étais 1 mois en Allemagne, j'étais en Australie, j'étais en Belgique, en France, en Espagne. J'ai voyagé partout, j'ai eu l'opportunité et la chance de vivre plusieurs cultures. Alors, pour moi, ce qui est intéressant pour Radun, c'est qu'on vient d'un endroit qui est très riche en multiculturalisme. Et quand on recule aussi loin que de nos fondateurs irlandais, il y a eu des immigrants des pays de l'Est, en passant de la Pologne à la Lituanie, notre communauté russe, bien entendu, qui est très présente à Radun. Nous avons aussi notre communauté anglophone et bien sûr notre communauté francophone qui est à Radun. Alors, tout ça ensemble, ça fait un beau mélange de plusieurs cultures. Alors, c'est vraiment unique, je crois, au Québec d'avoir une municipalité qui a autant de cultures rassemblées au même endroit. Et je peux vous dire qu'on cohabite très bien ensemble. Pour bien comprendre les différentes nuances culturelles de Radun, on a demandé au maire Rougeau de nous parler de leur politique culturelle. Notre politique culturelle, en fait, a été rédigée en collaboration avec des citoyens, des employés de notre municipalité et, en fait, les employés du service des loisirs et de la culture de la municipalité, accompagnés, bien entendu, du conseil municipal. Parce que c'est le conseil municipal qui a le dernier mot, qui donne les enlignements officiels. Les élus et les citoyens, en fait, on a voulu créer une alliance forte entre la nature et la culture, parce qu'on sait qu'à Radun, il y a beaucoup de nature, et on voulait intermêler les deux. Alors, pour conjuguer les deux, bien, on a fait... je vais vous donner un exemple. Il y a eu ce printemps, lors d'un épisode de verglas, on a, à l'entrée du domaine Pont-Briand-Sud, il y a un immense pin qui était là, un pin, on peut dire centenaire, qui a été décimé par le verglas. Alors, nous, on est arrivé, comment on peut faire pour sauver, c'est presque un monument. On a fait appel à un sculpteur local qui est venu sur place, qui nous a fait des présentations avec sa conjointe. Et on a fait faire une magnifique sculpture du tronc de cet arbre-là. Et n'importe qui entend ce balado et qui se promène à Radun, ça vaut le détour.
Le maire Rougeau nous donne un exemple très pertinent des initiatives qui peuvent stimuler la rédaction d'objectifs culturels précis pour sa municipalité. À Radun, c'est intéressant de savoir qu'on a orienté cette politique autour de 6 enjeux et qu'on les a imagés de la façon suivante. Éloigner les inégalités sociales par la culture, collaborer pour mieux rayonner, rassembler pour mieux créer, relier pour se souvenir, associer nature et culture, conserver et mettre en valeur notre richesse multiculturelle. Ensuite, on a voulu en connaître un peu plus sur la communauté qui compose Radun et comment elle se différencie des autres villes avoisinantes. Eh bien, comme je l'ai mentionné, on a une grande influence irlandaise qui est là, une communauté anglophone qui s'implique beaucoup aussi dans nos activités. La Saint-Patrick, on a voulu en faire notre marque de commerce parce qu'on est la seule municipalité en dehors des grandes villes et au nord de Montréal, on va dire, ou dans le nord du Québec, qui fête la Saint-Patrick avec, à cette ampleur-là. On a vu au printemps dernier, il y avait plus de 10 000 personnes assemblées sur notre rue principale pour la célébration de la Saint-Patrick. Mais en plus, c'est qu'avant, ça fait 46 ans que ça dure, la Saint-Patrick à Radun, les festivités. Mais depuis l'an passé, on a fait le festival de Saint-Patrick. Maintenant, ça se déroule sur 3 journées. Alors, on regarde pour emmener ça encore à un autre niveau et de faire, on va dire, profiter, de faire en sorte que quand les gens vont vouloir célébrer la Saint-Patrick ou voir qu'est-ce qu'il y a comme grande fête dans la Naudière, bien, ça va être Radun avec le Saint-Patrick qui va se démarquer. Le maire Rougeau nous a aussi fait le portrait de quelques artistes ou personnalités publiques issues de la municipalité ou qui ont élu domicile. Et il y en a eu beaucoup. Entre autres, on peut parler de Gabrielle Roy, qui est une romancière. Il y a Yves Thériault, un écrivain. Marjo, bien entendu, la chanteuse. Martin Deschamps, qui est aussi chanteur à Radun. Il y a eu Fernand Gignac. D'ailleurs, petite anecdote, lorsque je me suis construit à Radun en 1988, Fernand Gignac est venu chez moi. Il était venu visiter ma maison. Il disait, est-ce que ça vous dérange? Je vais venir voir à l'intérieur. Je connais M. Gignac. Et puis, c'était, en tout cas, c'est une personnalité qui a été très, très connue et qui est venue visiter pendant que j'étais en construction. Il y a aussi Mia Rides, actrice et scénariste. D'ailleurs, elle a été très instrumentale lorsqu'en 1984, le lac Pontbriand avait été vidé pour refaire le barrage. Elle avait été très présente et très instrumentale dans la reconstruction de ce barrage. Elle avait eu beaucoup de pression politique là-dessus. Alors, c'est bien apprécié parce qu'aujourd'hui, on a un barrage qui va durer encore 100 ans, qui nous procure un magnifique lac Pontbriand, le premier lac navigable au nord de Montréal. Également, bien, vous l'avez mentionné en début, je ne veux pas être prétentieux, mais il y a la famille Rougeau qui demeure à Radun. Puis je vais parler de la famille, mais qui recule de loin. Mon oncle Jean Rougeau, qui a été garde du corps pour René Lévesque, qui a été le président de la Ligue junior majeure du Québec, un grand lutteur qui a établi beaucoup de records d'assistance à travers la province. Mon père Jacques, qui a été en équipe avec lui aussi, qui a établi à son tour plusieurs records d'assistance à travers la province. Et mon frère et moi, on est les deux premiers à amener notre carrière à un niveau international. Alors, le nom Rougeau n'est pas seulement connu, on va dire, au Québec, au Canada ou en Amérique du Nord. Le nom Rougeau est connu à travers la planète entière. Alors, on est très bien impliqués et je suis devenu maire de Radun. Alors, on continue de s'impliquer dans notre communauté. Il y a aussi Luc Beauséjour et Isabelle Ayer, qui est photographe. Alors, il y a quand même plusieurs personnalités qui viennent de Radun. Radun, c'est l'amour du plein air. On pense à la tournée des cantons qui propose des sentiers de ski de fond, de raquettes, de la randonnée pédestre sur plus de 45 km de sentiers en forêt.
C'est aussi des sentiers de fat bike et de vélo de montagne. Il y a également le centre de ski Montcalm et les chutes Darwin qui sont connues et tellement populaires. Mais est-ce que vous saviez que la municipalité possède également un centre d'interprétation unique au Québec? Ça, c'est sur une note culturelle, mais c'est notre centre d'interprétation multiethnique. On est le seul endroit au Québec qui a un centre d'interprétation multiethnique. Alors, ça vaut le détour. Il y a des expositions là-dedans, il y a des spectacles qui se donnent là. Pour l'avenir, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus à cette municipalité qui a déjà tellement de dynamisme? Les rêves pour moi, c'est de continuer à travailler en collaboration avec nos artistes du milieu, nos artistes locaux, régionaux et internationaux, pour faire de Radon un pôle culturel et artistique. Ça, je serais très fier. Que les gens qui vont venir à Radon, ce n'est pas que pour les attraits naturels, mais ça sera aussi pour notre vie culturelle et artistique. Et bien entendu, j'ai bien hâte de voir sur pied notre quartier d'Histoyen, comme j'ai dit, qui va être évolutif dans le temps, mais qui va toujours continuer à... On va continuer à ajouter dessus pendant probablement des décennies à venir. Quel plaisir qu'on a eu de discuter avec le maire Raymond Rougeau qui nous a offert un aperçu fascinant de la richesse culturelle de cette belle communauté. Définitivement, Radon, c'est un exemple inspirant de la manière dont une petite ville peut devenir un foyer de diversité culturelle et artistique. À Radon, on a toujours été reconnu pour être très accueillant pour les visiteurs, pour les immigrants, pour tout le monde. Le fait qu'on soit tellement multiculturel fait qu'on a une grande ouverture à recevoir de la visite. Alors, venez chez nous, on va être heureux de vous voir. Et n'oubliez pas de rester à l'écoute de notre podcast pour d'autres discussions captivantes avec des leaders locaux et des passionnés de la culture qui font la différence dans leur communauté. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et surtout à bientôt pour de nouvelles découvertes culturelles passionnantes. Ce balado est une coproduction de la MRC Matawinie et de Culture Lanaudière. À l'animation, Joe Beaucan. Au thème musical, Sébastien Sauvageau. À la scénarisation, aux recherches et aux entrevues, Kathleen Chagnon et Maude Desjardins. Un merci spécial au Crapaud et à la ville de Saint-Félix-de-Valois de nous avoir reçus dans leurs locaux.